c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour le 26e épisode de la série Pactou. Donc le programme du jour, ça va être assez simple. On va continuer notre ascension. On est bien en division 4. À chaque fois, je dis division 5, mais non, on est bien en division 4. Pour le moment, bon, le parcours reste correct. On n'a toujours pas perdu. C'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire autre chose. Alors, il y en a qui m'ont posé des questions un peu pas bizarres, mais Cyril. C'est le mec qui m'a écrit comme ça. Cyril, virgule. Est-ce que tu aimes vraiment Brandao ou tu te fous de notre gueule? La question m'a fait un peu rire. Alors, il y a deux types de Brando. T'as le Brando sur fut et le Brando IRL. Le Brando IRL, on le connaît, c'est une vraie chèvre. À moins, enfin, pas à moins, mais c'est une vraie chèvre. Mais il faut le faire jouer qu'en coupe. Il n'y a qu'en coupe où il marque des buts. Hein. Rappelez-vous, à Marseille, il faisait que ça. En championnat, c'était une chèvre. Mais en coupe, il faisait que ça. Et ensuite, il y a le Brando sur fut. Et le Brando sur fut, c'est pas déconnant. J'ai fait une vidéo, pas tout d'un avec lui. Le lendemain, j'ai fait une vidéo, je crois, ou le surlendemain. Avec lui, c'est pas des conneries. Sur fut, il est vraiment bon. Et moi, je vous le conseille de le tester. Il coûte même pas 1000 crédits. Testez-le. Voilà. Ensuite, il y a eu quasiment 1500 likes. Mais pas 1500 likes. Du coup, on va garder que deux packs. Et il me semble qu'il y a des packs à 35k ou à 25k. Du coup, on va en garder. Enfin, on va en garder de l'autre côté. 3 packs. Classique, c'est un pack à 25k. Du coup, je garde les deux. Pour ouvrir un peu plus de packs à 25 000 crédits. On va partir pour un match. Alors, je vous. Vous avez vu, hein, j'ai augmenté un peu le stock des bons FIFA. Bon, pas beaucoup, hein, j'ai que pris 5000 et quelques points FIFA. C'est cher, c'est vraiment très très cher. Mais bon, c'est comme ça, c'est la série qui le. Qui coûte cher, quoi. Qui coûte cher. Alors, on va partir un petit match. Alors, j'hésite. Entre la Serie A ou l'hybride. La Serie A, fait longtemps qu'on n'a pas joué avec, hein. Ouais, bon, j'aime pas trop aussi. Pas forcément fan des Syriens, à moins qu'on joue avec l'hybride. Là, on fait longtemps qu'on n'a pas joué avec le duo Kun et. Ah, il manque un joueur, d'accord. C'est Killini, donc quoi, ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On joue avec cette équipe ou pas? Est-ce que j'aurais packé un défenseur de allemand? Ça, c'est un peu le truc qu'il faut avoir parce que les hybrides, c'est bien, mais quand on a le collectif, c'est mieux. Ouais, vous avez vu ça, des petits trims et tout. Défenseur Bundesliga, on a du Rodriguez, on va pas me servir plus que ça. Ou on a Kolasinac. Ouais, bon, autant garder Dick Meyer. Le collectif est le même. Ensuite, il me semble qu'on a Zabalata en Bipiol. Non, pas ça. Bipiol, voilà. C'est un peu mieux que Bakary Sagna. Voilà, donc l'équipe reste toujours correcte. Un collectif intéressant devant. Ça marque des buts. C'est ce qu'on demande. On met ça ici. Et puis, c'est parti. Bon, voilà, donc on part pour deux matchs aujourd'hui. Alors, le programme, vite fait, je vous le dis, un peu du week-end qui va être assez chargé. J'ai préparé quelques petites vidéos en avant, donc aujourd'hui, Pactou D1, demain, donc samedi, hein, je vous le dis, vous avez une vidéo pack opening où j'ai tapé du très 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 lourd, ça fait plaisir, enfin du très lourd, il y a quand même pas mal de gros joueurs. Ensuite, vous avez un live de 17h à 19h chez Emilia France, en gros je travaille, ça sera sur FUT, ça sera un pack opening et il y aura des drafts. Donc vous avez le lien dans la description. Dimanche, normalement, c'est pas sûr à 100%, mais normalement, il y a une nouvelle vidéo, enfin une petite nouvelle série un peu qui va arriver sur la chaîne. J'en dis pas plus. Et dimanche aussi, il y aura certainement un petit live. Voilà, donc en gros, le palim de week-end, c'est une vidéo normalement chaque jour, enfin samedi, dimanche, et un live chaque jour aussi. Voilà. Allez, on lance un match, Division 4, on est sur une bonne lancée, on n'a toujours pas perdu. À force de dire ça... On va perdre, voilà, donc en gros, faut que j'arrête de dire un peu ça, j'essaie de me focaliser un peu sur le beau jeu, parce que quand j'arrive à bien jouer, les résultats sont là. Si je me dis, oh putain, faut pas que je perde, des fois, je vais un peu stresser, un peu paniquer, à la fin, je vais perdre. Donc en gros, voilà, on fait de mon mieux, on a des super équipes, franchement, il n'y a rien à dire, j'ai le pif qui rate, c'est casse les couilles, ça, signe d'argent, je vais gagner l'auto, ou Paris Sportif, c'est mieux. Donc ouais, on a l'équipe qu'il nous faut, on a les joueurs qu'il nous faut. La seule chose qui nous manquerait, ça serait une bonne série qu'on arrive à faire encore 10-15 matchs sans défaite. Voilà. Allez, je vous reprends dès que je trouve un adversaire, que ça commence à me casser les couilles. Il est 10h du mat, il n'y a personne qui joue en division. Eh ben putain, c'est pas trop tôt, hein. Donc, nous avons un adversaire comme on dit Bayern Munich, on reste toujours avec le maillot violet. Alors, il y en a qui changent ses maillots, mais franchement, j'ai pas envie, quoi, ça me porte chance. Donc, tant que je perds pas, je change pas les maillots. Ah oui, d'accord. C'est quelle équipe ça, hein? Ah non, c'est pas une équipe parce qu'il y a un Leno, ça reste sinon une team full Bayern Munich, assez offensif quand même avec Müller et Götze au milieu de terrain. Vidal, il a mis l'âme latéral droit, donc ouais, une belle petite équipe, belle grosse équipe, attention devant, ça va c'est très rapide avec Ribéry et Douglas, ça skill aussi, on a un gros finisseur, attention, ça peut être le match piège, pardon. Allez, c'est parti pour le premier match, let's go.
Bien joué. La balle pour Yaya Touré. Signé Thomas Müller. Allez, Yaya en finition. Le tout. Bien joué. C'est pas fini. Allez! Ah, dommage. J'aimerais un petit décalage. Il n'y en a toujours pas. On va chercher Ilkay Gundogan. C'est bien servi. Le plat du pied. Ouh, putain, l'arrêt. Bel arrêt de Leno là. Le râteau de Robben. Finition. Pied droit. Oh, et encore son gardien, quoi. Il fait des super arrêts depuis le début du match. Directement, Sami Khedira. On accélère tranquillement avec Sami Khedira. Ouais, mais là. Oh, bah, Sami va aller tout seul, hein, parce qu'il n'y a personne qui va l'aider, quoi. Sami Khedira. Allez, Robben! Voilà, enfin, les amis. Alors, le but, il est dégueulasse. Je suis d'accord avec vous. Mais ça faisait une demi-heure qu'on tirait tous les côtés. Son Leno arrêtait tout. Là, on ouvre le score. C'est franchement mérité. Il n'a pas encore fait de tir de l'adversaire. Khedira qui aura pu marquer tout seul. Alors, il s'est faufilé. Personne ne l'a attaqué. Tant mieux pour nous. Et le but signé Arjen Robben. Bien joué ça pour Robben. Allez. On fait un petit dribble. Voilà. Oh, magnifique. Un râteau. Encore un autre. Et on finit. Oh, mais putain. Son gardien, il est. Oh, mais vas-y. Oh, mais waouh. Et son gardien, il est insupportable. Hein. Il fait des arrêts de ouf. Alors, les deux buts qu'on met sont dégueulasses. Mais c'est dommage, c'est que les actions qui mènent au but sont magnifiques. Hein. Le truc de Robben, les dribbles, etc. Mais malheureusement, il n'y a jamais but, quoi. C'est un truc de dingue. Bon, mes amis, c'est la mi-temps. Écoutez, on mène 2 à 0. C'est largement mérité. Hein. On domine totalement l'adversaire. 7 tirs cadrés à 1. Et bon, il n'y a que 2 à 0, c'est dommage qu'on aurait plus facile de marquer 3-4 buts en total, et bon, mais que 2 à 0, c'est pas grave. Allez, on continue. Bien joué. Ah non. Ah, c'est bon. Bien joué ça. Allez, la bonne passe, signé Yaya Touré pour le Kun. Allez, le Kun, là on veut le 3 à 0. On veut le 3 à 0, et il y a 3 à 0. Non! Mais vas-y, on n'a pas de chance quand même aujourd'hui. Hein. Bien joué. Allez là, je veux le troisième, putain! Chaque fois, on met jamais, quoi. Allez, Robben. Voilà, enfin le troisième, c'est bon. Ouais. Ça m'énerve parce que je joue pas bien et ça m'énerve qu'on joue pas bien. Voilà, tout simplement. 3-0, Orban. Bien joué. Non, pas au Kunagoro, il est pas en forme aujourd'hui. J'aimerais quelqu'un en retrait. Yaya Touré, il y va en mode bulldozer, en mode balai couille, frère. Oh, mais le Kun, il est vraiment pas en forme aujourd'hui. Hein. Oh! Mais non, mais pourquoi il siffle? Oh, c'est un bâtard, là, vite. Bon, mes amis, on remporte ce match, on va dire facilement 3-0, mais il aurait pu avoir facile 6-7-0, quoi. S'il n'y aurait pas eu les pieds carrés 3-4 fois, j'ai pas très bien joué aux 6 occasions, mais bon. On remporte le match, c'est essentiel avec 9-1 de notes pour Thomas Müller. Les buteurs doublés de Robben, un but de Thomas Müller, passeur décisif Müller. Ok. Bon, on va checker Boris Malus, c'est cool. Donc, on avait déjà deux packs hein, qui correspondaient au like que j'avais mis de côté. Bah, depuis tout à l'heure, quoi. Et donc, différence de bruit, 3-0, ça nous fait 3 packs. C'est parfait. Ensuite, il n'est pas de joueur à plus de 87-88. On n'a pas marqué un but à la fin, enfin, assez rapidement. On a juste homme du match, je crois, pour Thomas Müller. Je crois que c'est tout, ça nous fait un pack en plus. Et puis, c'est tout, hein. Pas de 9-5 de notes. Ah, si, un petit clean sheet, bien sûr. Un pack en plus. Donc, 2 et 3. 5, 6, 7. Ok, 7 packs, c'est cool. Donc on va en garder un de côté. Voilà. Et on va ouvrir 6, enfin 3 packs, pardon, à 25K. Ça fait l'équivalent enfin, un pack à 25K, c'est 3 packs. À 7 500. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est très bien quand ça se passe. C'est toujours le cas. Bon, on a quand même bien éliminé l'adversaire, c'est cool, mais on aurait pu marquer énormément de buts, quoi. J'ai mis deux poteaux dans le match. J'ai raté des trucs, des fois, bah c'était pas Charlie, quoi. Des trucs assez simples pourtant. Mais bon. Allez, on ouvre 3 packs et on continue. Alors, les joueurs que j'avais vendus, c'était qui? Ceux que j'avais packés en doublon, je crois. Ouais, voilà. Bon, c'est parti tranquillement. C'est parfait. Alors, j'ai 120K. On va les garder, je sais pas pourquoi, mais on va les garder, on verra bien. On ouvre 3 packs comme ci, comme ça. Et puis voilà, un petit uniforme serait cool. Un petit Steve Mandanda-Sif, ça serait le feu. Premier pack. Ah oui. Mexer, ok. Et bon, lui, il avait packé en uniforme, je crois, il n'y a pas longtemps. 12 chaises, ok. Alors, moi, deux joueurs de Paris, deux Français, mais pas Blaise Matuidi, quoi. Hein. Allez, bâtard. Avant, dernier pack 45K, après, on va repartir pour un match. Et puis, on va voir comment ça se passe, quoi. Allez, deuxième pack, on tombe sur. Oh, mais encore les Allemands, quoi. J'en ai marre. Entre les Allemands et les joueurs de BPL, ça me saoule, quoi. J'ai que ça. Herman et en doublon, Kolasinac. Ok, on discarde. Dernier pack après. Après, on part au match, quoi. Franchement, moi, je suis content parce qu'on a un très bon ratio. 46 victoires, seulement 3 défaites, c'est parfait. Sachant qu'on a fait une défaite en draft. Donc là, on chope Oliveira. Donc, ouais, on s'en sort plutôt bien. Ouais, on s'en fout, on s'en fout. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose. Ok, les packs sont pourris, hein. Ils m'ont donné Doria quand même. Hein.
Allez, let's go, on va partir en match, 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 en match. On est bien pour le moment. Il nous reste 6 matchs, il nous faut 9 points. Donc, si je gagne le prochain match, peut-être qu'à l'épisode prochain, bon, on pourra avoir le titre. Ça serait parfait. Mais bon, on n'est pas encore là, on a un très bon ratio, ça se passe bien, je joue bien. C'est des fois, c'est un peu le souci, quoi. Le ratio ne veut pas dire que forcément t'es bon. Mais quand t'arrives en division 4 et que t'as que 2 défaites en machin, c'était un bon niveau. Mais surtout, si t'arrives à produire un jeu correct. C'est plus important. En fait, plus tu produis un bon jeu, plus tu gagnes. C'est simple. Parce qu'en gros, si tu fais que des LBY, ça passera pas. Il faut faire des jeux courts, des jeux longs, des passes, etc. Et c'est ce qu'il faut, quoi. Et c'est nickel. Allez! Hey, qui est qui pour moi jouer, tiens? BBVA, non. Aussi que la BPL. J'aime bien la BPL, puisque des joueurs que je kiffe dedans, quoi. Et c'est l'une des meilleures équipes. On a Riyad Mahrez. Alors, les ups vont arriver d'ici peut-être 2-3 semaines. Peut-être que la carte. Alors, Mahrez prend up, c'est sûr. Mais est-ce que la carte va prendre up? Je ne sais pas. Yaya Touré, Omotera, on a du lourd. On va mettre une carte aux formes. On a un bon attaquant. Alors, qui est meilleur? Je trouve que Agüero est meilleur à un buteur qu'à deux. Dans Libre et Necrobone, il n'est pas très très bon. Par contre, dans l'équipe avec. Donc, la BPL, celle-ci, il est plutôt intéressant. Est-ce qu'on a pas qu'un autre joueur de BPL aussi hein? Je vais regarder vite fait parce qu'on a tellement de joueurs de BPL. Hein. Faudrait peut-être que je les vende. Moi, je ferais une deuxième équipe, je sais pas. Alors, Sandy Gazorla, bah, je t'aime bien, mais on te met où? Ouais, non, y a pas grand-chose. Ok. Donc, je sais pas. Vous me conseillez de faire quoi, les amis? Une deuxième BPL avec les joueurs que j'ai pas en titulaire là? Ou alors de vendre? Parce que si je les vends, mettons, je vends les Compagnies, les Terry, les Rooney, etc. Ça pourrait me faire des crédits, je pourrais paquer. Je sais pas. Ça sera à vous de me dire. Donc, on part avec la BPL. Une très bonne défense. C'est solide, c'est rapide, c'est physique. Un terrain intéressant, c'est Yaya Touré, quoi. Il sait tout faire, quoi. Pour ceux qui connaissent Yaya Touré sur FUT, bah, vous savez très bien qu'il est énorme ici. Vous pouvez mettre MOC, MC, MDC, il n'y a pas de problème. Un maillot de Leicester ou de Stoke? Maillot de Stoke, ok. Contre le maillot violet. On ne le change pas, franchement. Tant que je perds pas, je ne changerai pas. Alors, Kocinicif. Je vais prendre un screen en même temps. Le mec, il a Kocinicif. Il a Robert Pires et Cristiano Ronaldo. Mais chaque épisode, ceux qui se rendent compte, il se passe un truc de fou, quoi. Avant, c'était Hernan Crespo contre Brandao. Enfin, c'est what the fuck. Le mec, il a Ronaldo, Pires et Kocinicif. Ça, c'est intéressant pour les packs si, bien sûr, on remporte le match. C'est parti! Et on se retrouve pour les meilleures actions du match. Let's go! Oh! Ouh! Ouais, je la voyais partir en pleine lucarne, celle-là. On va jouer tranquillement avec Kevin De Bruyne face à Sergio Ramos. Ouah, mais c'est tendu. Oh! Oh! Oui! Eh oui! Bah, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, ouais, je sais pas. C'est bizarre, on dirait que le mec s'est arrêté de jouer, je sais pas. C'est bizarre, là. Non, pourtant, je pense, je sais pas. Bon, bah, tant mieux pour nous, hein. On met un zéro, hein, mais bizarre. Bien joué. Ouais, allez, hop, hop. Il y a Touré qui accélère. On a vu Mahrez en haut. On attend le dernier moment. Le plat du pied de Mahrez. Et voilà, 2 à 0. 35e minute. Signé Riyad Mahrez version TIF. Beau petit service quand même de Yaya Touré. J'ai attendu le dernier moment. Alors, si t'attends trop, il est hors jeu. Si tu fais trop tôt, tu te fais niquer par le défenseur. J'ai mis dans le bon tempo. Mahrez, pied droit, 2-0. Le joueur Lotovic. Avec. Oh, Sech. Allez, résiste au physique de Brian. Sech, le râteau, double râteau. Et voilà! 3-0. Le but est à accorder, mais du début à la fin, un Sech Fabregas. Il a fait tout seul, tout simplement. 3-0. Oh. Et vas-y, il va faire pause à chaque fois? Ah, bah putain, le mec, les amis. Franchement, il est une belle équipe, mais c'est un gros fils de. Alors, je vous explique. Il y a un corner, il met un quart d'heure à le tirer. Il y a un coup franc, il met un quart d'heure à le tirer. Il fait tourner des fois alors qu'il menait 2 à 0. À chaque fois que je marquais, il faisait pause. Il attendait bien la fin de la pause pour rejouer. Et à un moment, le match, il a duré 20 minutes. Mais pourtant, on a fait que une mi-temps. C'est insupportable. Bref, le plus important, c'est qu'on enchaîne encore une deuxième victoire de suite dans l'épisode. C'est franchement parfait. Victoire 2 à 0 face à un informe, face à Cristiano Ronaldo et face à une légende. Un informe. Les gens. Ouais, c'est doux, j'ai cru que j'ai oublié quelque chose. Bref. Et donc, on va checker Boris Malus. Alors, l'adversaire, bon, voilà, le meilleur joueur, c'est 6-3. Nous, on a l'homme du match, bien sûr, Sergio Fabregas. Les buteurs, Mahrez, De Bruyne, Fabregas. Passeur décisif, Agüero et Yaya Touré. Voilà, donc, on a déjà deux packs de côté. Non, un pack de côté, pardon. Victoire, donc, quand je check, hein, différence de but. Voilà, 3 à 0. C'est bien, on a fait deux fois 3 à 0. Parfait, ça.
Ensuite, victoire contre une légende, bien sûr, il avait Robert Pires, donc 3 packs en plus. Que je regarde, victoire contre une équipe de même championnat, non, hein, c'était un peu tout, mais voilà, c'était pas une BPL. Bien sûr, un clean sheet, voilà. Nous avons victoire face à un joueur à plus de 88 de général, il y en avait deux, il y avait Ronaldo et Robert Pires, donc ça nous fait 2 packs. Homme du match, bien sûr, pour Cesc Fabregas, donc un pack en plus, 900 de notes, je ne pense pas. Et victoire face à un boost, il en avait un, Laurent Cosimo. Donc on fait 3, putain, j'ai plus compté, 3 et 1, 4, ouais, c'est ça, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, donc c'est le 12, ah, ben c'est bon ça, ça nous fait 6, non, 12, divisé par 3, 4, voilà, j'ai plus compté, 4 packs à 25K pour clôturer ces modes qui fut franchement tranquille, ça a fait plaisir, et puis je pense un petit peu court aujourd'hui, mais bon, hein, je n'y peux rien, c'est en fonction des packs et des matchs aussi, hein, donc bon. Ça va, 3-0, 2 fois 3-0, on est bien parti. L'épisode prochain, 27, il pourrait être très décisif. Pourquoi? En cas de victoire des deux matchs, ben on aurait le titre, on aurait la blinde de packs. Donc il y a moyen d'avoir des gros packs pour le prochain épisode. Allez, on clôture cette petite vidéo, assez courte je pense, avec 4 packs à 35K. C'est parti. On reste sur meilleur joueur, je ne sais pas. Hein, donc c'est pas flamboyant. Un petit uniforme, ça serait cool. Premier pack. Texera, eh oui, Texera, bon, brésilien, on va le garder, Medel aussi. Nous avons Keiko. Keiko, oui, d'accord. Keiko, d'accord, c'est bon. Hein. Alors, il a Koke, lui, c'est un Keiko. Il n'est pas les moyens de se payer le blaze Koke, du coup, il a inversé, il a mis Keiko. C'est parti, second pack à 35K, on skip Martinez, c'est bon, ça, avec Gignac, Martinez. Bon, on va le garder pour les hybrides, je pense. Ouais, bon, pour le moment, le meilleur joueur, ça reste Martinez. C'est pas top. Mais bon, hein. Ok. Allez, avant-dernier pack à 25K. Un petit uniforme. Allez là, putain. Un petit uniforme. Un Steve Mandanda. Berezuski. Chalonglou. Tiens, on va garder. C'est cool pour la Bundesliga. Océan. Waouh, mais les blasts de ouf. Entre Keiko, Océan. Allez, dernier pack. On pose la manette. On veut un boost. On veut un boost. Et on termine sur Chayerlin. Maxime Gonel, on changeait déjà en plus. Ouais, voilà. Ouh, Deep. Oh non. Vas-y, il était une forme la semaine passée. Bon, c'est pas grave. Deep, ça fait plaisir, c'est cool. Et on a Claudio Bouvier, version transférée. Donc c'est un bon buteur. Eh, pour la BBVA, ça va être cool ça. Avec Griezmann devant. Eh, c'est bon ça. Donc peut-être qu'on joue avec la BBVA au prochain épisode. Je ne sais pas, parce que Bouvier, elle a une bonne vitesse, finition correcte, les 4 étoiles. Ouais, c'est cool ça. Et Polo Dybala, ok, ok, on doublon, on gonalon, on s'en fout, on discarde. Bon, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Laissez pas lâcher un maximum de pouces bleus. Je rappelle que tous les 500 likes, vous m'offrez un pack. Donc 500, bah, un pack, 1000, 2 packs, 3 packs, c'est combien? 1500, voilà. Prenez soin de vous et on se retrouve, bien sûr, très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.